Bienvenue sur vos numéros d'Empreinte Magazine. Empreinte, c'est ce magazine de communication, marketing, qui fait la promotion des actions du chef de l'État sur le plan tant national qu'international. Bienvenue, je suis Denise Dussochois. Aujourd'hui, nous sommes sur l'aéroport en devenir en Bujimaï. Un cadeau à tout le peuple du Kasaï oriental et les environs. Nous sommes accompagnés du commandant de l'aéroport pour nous faire vivre ce que sera cet aéroport dans quelques mois. Ce chef-d'œuvre signé Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez-moi pour suivre cette belle aventure humaine. Monsieur Romain Tshinyama, bonjour. Bonjour. Vous êtes commandant de l'aéroport. Là, nous remarquons qu'il y a des travaux. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Bien, merci. Là, on se retrouve sur le nouveau tarmac qui est presque la dimension du double de l'ancien. Et nous sommes pratiquement, on peut dire, à 80-85%. Il nous reste juste 10 cm. Et là, la couche que nous avons déjà fait monter, n'est-ce pas, les remblais, c'est une couche de 20 cm, comme on l'a vu, 20 à 25. Il nous reste une couche de 5,5. Et puis, la dernière couche sera 4,5, qui sera la couche finale, pour qu'on ait la couche normalement au-dessus. Et là, on nous retrouvons, comme vous l'avez constaté, c'est que c'est par rapport, n'est-ce pas, au niveau d'en bas, c'est un remblai qui est monté à près de 10 mètres. Cette hauteur que nous avons. Donc, ici, nous avons presque, on peut dire, on a presque terminé. Donc, derrière moi, comme vous voyez là, donc, ce sont les débuts de travaux de l'aérogare. Et ces travaux de l'aérogare, en fait, qui ont besoin de l'espace. Donc, l'espace qu'on attend que le gouvernement provincial puisse nous donner cet espace pour qu'on puisse faire asseoir un aérogare international de grande dimension. Je vais vous faire voir ça à mon bureau, vous verrez la maquette, à quoi ça ressemble, et c'est dans ce sens-là. Ça, c'est une partie vers la droite, donc il y a la centrale électrique, dont les fondations sont en train de monter. La structure que vous voyez de l'autre côté, on va y arriver, je crois que bien que ce soit dimanche, on va arriver. Ça, c'est la nouvelle caserne anti-incendie, c'est un peu ça. En dehors de ça, il y a après une centrale photovoltaïque, d'une capacité de 300 kW crête qui est à 95% terminée. Il ne reste plus que bon, les dispositifs de transport d'énergie de là à ici où nous sommes. En dehors de ça, il y a les travaux sur la piste. La piste, on a commencé, on va y aller parce que bon, là, je vous fais le grand résumé. On va aller sur la piste, vous verrez qu'il y a les 380 mètres qu'on va allonger sur la dimension actuelle du côté nord. Et qui sont en cours. Et les 2000 mètres de la piste restent encore. Et on ajoutera du côté sud, on ajoutera aussi 700 plus d'autres distances qui seront là. Voilà à peu près ce qui se passe sur, n'est-ce pas, le chantier de l'aéroport de Bujimaï, qui est un grand chantier en différentes phases. Donc c'est un peu ça. Nous sommes bluffés, comme toute personne qui verra ces images, surtout sur Internet. Les travaux ont débuté quand? C'est pour combien de temps on peut nous le rendre, nous, le peuple de Mbujimaï, quand? Merci pour la question. Donc, on a commencé en 2020. En 2020, précisément au mois d'octobre. Et c'est vrai que le canevas initial, c'était que 2022. Que l'on soit prêt, mais bon, il y a eu toutes ces conséquences qui ont suivi, Covid, et qu'on sort. Mais le grand problème, le vrai problème que nous connaissons, c'est l'enclavement. L'enclavement, on doit utiliser le chemin de fer que vous connaissez, qui a l'âge deux fois, l'âge, donc plus de 100 ans, donc ce qui fait que c'est difficile l'acheminement par ce côté-là. Donc nous essayons maintenant par Matadi. Matadi aussi, nous avons encore la portion à Luebo jusqu'à Kananga qui est très mauvaise, ils travaillent encore dessus, donc de tous côtés on est un peu bloqué, donc mais on fait avec, on avance petit à petit progressivement. Quand le matériel arrive, on avance, quand ça arrive, on avance
Voilà, à peu près. Si ce n'est pas un secret des polichinelles, ces travaux coûtent combien à l'État congolais? Merci pour la question. Et là où je suis, moi, je ne suis qu'un bénéficiaire. Et en tant que bénéficiaire, je suis là en train de suivre les travaux pas à pas pour que ce soit fait conformément aux normes et standards. Quant au coût, ça me dépasse. Là, je ne sais même pas vous répondre parce que ça vient au-delà d'au-delà. Donc, il faudrait poser la question à Kinshasa. En tant que natif de Mbujimayi, oui, c'est un chef-d'œuvre en devenir. Je pense que ça entre dans le bilan du président Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que vous faites dire à la population de Mbujimayi et ceux qui vont venir, qui atterriront ici dans quelques années? Bien, la population ne peut être qu'heureuse parce que ce sera un chef-d'œuvre, un cadeau offert au chef de l'État à cette population. On n'a jamais eu d'aéroport en fait. Ce qu'il y avait à l'époque, c'était une piste. Une piste d'une compagnie privée qu'on appelait à l'époque MIBA. C'est pour des petits avions qui venaient pour décoller. Progressivement, on essaie d'adapter ça. N'est-ce pas, on est un aérodrome, aéroport et tout ce qui suit. Mais la configuration n'était pas. C'est ainsi qu'on veut donner une configuration normale d'un aéroport normal suivant les standards de l'OACI et actuellement appuyé par l'autorité de l'aviation civile avec l'AAC. Donc on doit donner à Mbujimayi un aéroport digne de ce nom conformément aux standards. Et d'ailleurs, nous sommes classés, n'est-ce pas, du côté des aéroports internationaux. Et l'aérogare qui sera construit, ce sera aux dimensions internationales. La piste, on l'a fait à cet effet. Le nouveau tarmac sur lequel nous nous retrouvons, il va suivre ces standards. Donc, nous pouvons dire que la fierté est, pour ceux qui voient, sûrement qui ne pourront peut-être pas bénéficier directement, mais que la génération future peut être fière, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose qui se prépare pour elle. Et dans les jours qui vont venir, l'aéroport ici recevra des vols de loin pour venir directement ici à Mbujimayi, comme ça se fait dans les autres provinces, pour ne pas les citer, Lubumbashi, Goma et Kinshasa. Je pense qu'à la dernière question, vous avez voulu dire en gros merci Fatih, c'est ça? Que Dieu bénisse le chef de l'État pour avoir songé à cette province qui était abandonnée. Parce qu'on se posait la question quel péché on avait fait. Mais au mieux, là, les prières ont été exaucées. Merci beaucoup. Dieu vous en prie. Et oui, comme je vous le dis souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Empreinte, Tshilegelu, Bilembo, de Fatih, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous avons présenté non seulement la maquette, mais aussi ce qui est en train de se passer ici à Mbujimayi, à l'aéroport de Mbujimayi. Prochainement, ça sera un autre nom qu'on appellera cet aéroport. Bien sûr, c'est sous la vision Fatih. C'est sous le leadership, c'est avec la volonté politique d'un homme, Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Je tiens à remercier toute mon équipe technique qui m'accompagne dans cette belle aventure humaine où nous avons décidé de vous montrer les œuvres de Fatih à travers la République démocratique du Congo. On se retrouve très très prochainement dans une autre province pour une aventure humaine. Bye bye!